Comme vous pouvez voir, et donc là on n'a plus de carburant ni d'électricité, donc j'essaie de faire une conduite économique en voyez comme vous pouvez voir au niveau de l'ordinateur qui indique que je recharge un peu la batterie. Donc du coup, alors là on a fait un trajet où j'ai roulé quand même assez vite, c'est pour ça que les deux réservoirs sont complètement vides. On a fait un aller-retour sur Lisbonne. Et donc là, vous voyez les choses, elles sont complètement vides. On a même plus le kilométrage qu'on peut réaliser. Donc on va rouler, on est sur l'autoroute, hein, on n'a pas le choix. Et en espérant pouvoir faire le plein. Donc le niveau kilométrage ici, il est à 12 961 km. Et on va voir combien de temps ça va durer. Déjà fait les 10 km toujours à vide et j'ai rechargé 1% au niveau de la batterie électrique. Donc là on roule 100% électrique. Donc là à chaque fois qu'il y a une descente, on fait en sorte de recharger un peu la batterie. Donc on ne désespère pas et on attend de voir pour trouver une pompe à essence. Donc on est sorti de l'autoroute bien sûr. Et là, d'après ce que nous indique le GPS, il nous reste encore 6,5 km pour trouver une pompe. Donc 10 minutes de route encore. Donc on va espérer. Hein. Là on roule en 100% électrique. Donc il nous reste 0%. D'après ce qu'il nous indique les jauges. Hein. 0% électrique, 0% de carburant. Et là, au niveau de la thématique, vous voyez qu'on roule que à l'électrique. Et donc, je joue en fait avec les descentes. Donc, vous voyez, hein, la route, elle n'est pas droite. Enfin, ici au Portugal, c'est beaucoup des montées et des descentes. Et du coup, je joue avec la descente pour régénérer, vous voyez, un moins 12. Voilà. Donc, le peu que ça régénère, j'utilise. Et puis, j'accélère pas très fort pour maintenir une vitesse constante. Et comme ça, on augmente en fait la distance avec le peu qui reste d'énergie. Voilà, donc là, bien sûr, petite montée. Et puis on réattaque à nouveau une petite descente. À
Voilà, donc on recharge à chaque fois. Donc on continue, on va voir si on arrive jusqu'à la pompe. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai réussi à recharger encore un peu la batterie. On a fait presque 20 km et puis là on arrive à Intermarché, OREM, pour ceux qui connaissent. Donc ici le carburant il est à 1,60€ le litre de sans-plomb 98. Voilà, donc on va faire le plein, on va voir combien de litres nous allons mettre dans le réservoir. Comme vous avez pu voir, donc on a fait presque 20 km. À 250 mètres, tournez. Alors, prenez la première à droite. Nouveau calcul. À 180 mètres, tournez à droite. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça se passe. Donc c'est de mon côté, on va se mettre ici. On va se mettre là. Donc on est bien au Portugal. Hein. Regardez les noms des carburants, ils sont bien indiqués en portugais. Et la jauge, comme vous pouvez voir, on est tout à 0%, enfin j'ai réussi 1% d'électrique avec la conduite ultra économique, hein, donc à jouer avec les décélérations et anticiper. Donc voilà, on va mettre le carburant, on va faire le plein. Ah, la clé, ah oui, c'est parce que mon père est sorti du véhicule et donc ça détecte que elle n'est plus présente. Alors, tac. Et on appuie sur le bouton qui est ici. Ah, il faut éteindre. Non, il faut appuyer. Voilà. Donc, on va filmer ça. Je sors du véhicule. 30, pratiquement 37 litres pour 58,36€. Réservoir complètement vide. À 1,58€. On retourne à la voiture. Alors, on va tout paramétrer. Ah oui, j'ai pas la clé. Il faut que tu viennes là parce que j'ai pas la clé. C'est bon. Non, non, vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà. Vous voyez, s'il n'y a pas la clé à proximité, la voiture, elle démarre pas. Alors... Tac, tac. Combien de kilomètres il nous dit? Donc 413 km parce qu'il n'y a que le plein de carburant comme vous pouvez le voir. Donc au niveau thématique, bah, on avait fait, ah oui mais c'est 126 depuis qu'on est parti de là-bas avec une consommation de presque 9 litres, 106 km/h, mais à savoir qu'on a tiré des pointes à 150-160. Et pour un trajet qui a duré 1h12, voilà. Donc bah là pour le coup on va recharger l'électricité une fois qu'on arrive à la maison. Donc comme quoi pour vider, même en vidant les deux batteries, on a toujours un petit peu d'autonomie. Allez, c'est parti. Allez, je t'en ai, hein. On va te mettre, hein. Alors on a fait le plein de carburant et puis là en fait je roule à l'électrique comme vous pouvez voir, sachant qu'il indique toujours 0%. Alors là maintenant je vais m'amuser à savoir quand est-ce qu'il va basculer vers le carburant. Ah ça y est, le carburant a pris le relais parce que la batterie devait être trop faible. Donc il va charger certainement un petit peu, par exemple 1%. Et puis après il va certainement reprendre sur le carburant. Voilà, bon bah c'était une petite curiosité que je voulais savoir. Bon, maintenant, je le sais, une fois qu'il a détecté que la batterie elle est vraiment trop vide, le moteur se met en route parce que je n'étais pas en pleine accélération ou autre. Donc voilà.
Donc, écoutez, à suivre. Voilà, au moins vous avez encore une information intéressante sur le MGEHS, ici présent, en plein dans les routes du Portugal, pour ceux qui ont reconnu cette végétation bien typique du pays, avec des routes, des montées, des descentes, des routes étroites en pleine campagne. Enfin bref. Donc, à bientôt pour une autre vidéo.